Juste quelques mots aujourd'hui. Quelques mots de paix, quelques mots d'amour. Pour vous, pour la terre, pour la vie. La beauté de la terre, la beauté de l'humain. Un lien nouveau, plus puissant, plus fort, plus intérieur se prépare et grandit. Lorsque les forces involutives, bientôt, ne pourront plus se maintenir ni détruire, tant l'afflux de lumière augmente à présent, ce lien fera de la nouvelle terre la terre promise, celle qui n'appartient à aucun peuple en particulier, à aucune religion, mais à l'homme face à son Créateur et entouré de ses semblables. Tous différents, tous procédant de l'un. Ce temps est déjà là, en préparation, en gestation dans l'invisible. Beaucoup le ressentent, beaucoup le perçoivent. Prenons soin de nos pensées, car leur teneur est créatrice de ce qui est et de ce qui sera. Amour et gratitude à la terre qui nous porte. Accompagnons son ascension. En purifiant nos pensées, en agrandissant peu à peu le champ de nos consciences reliées au tout, nous ne nous transformons pas seulement nous-mêmes. Nous épousons ce mouvement de la terre vers sa nouvelle vibration. Et nous faisons en sorte d'atténuer les violentes secousses que ne manqueront pas de produire cet accouchement, cette naissance. Prenons soin d'elle, prenons soin de la terre, prenons soin de nous.